Coucou, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la suite de Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, cette fois-ci en tant que serpentard. Donc n'hésitez pas à aller vous chercher quelque chose à manger, quelque chose à boire, votre couverture préférée pour vous emmitoufler, sans plus tarder. C'est parti. L'endroit semble être assez agréable. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Ranrok iraient aussi loin. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrok et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrok n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Les fidèles de Ranrok vous ont déjà attaqué de cette manière? Ils me raillent et me menacent depuis quelque temps déjà. Mais à leurs yeux, la violence est le seul moyen d'obtenir ce qu'ils veulent. La situation s'est envenimée dernièrement. Ranrok est de plus en plus puissant et ses fidèles le savent. Il se sent invincible. Ranrok pensait que tous les gobelins le suivraient, mais il avait tort. Bon nombre d'entre nous aimeraient une solution diplomatique à notre conflit. Vous avez dit que vos peintures avaient disparu. Vous êtes peintre? Ah oui, c'est ma passion. Aussi surprenant que cela puisse paraître pour un gobelin, la majorité de ma famille travaille dans le métal ou à Gringotts. Je serais prêt à parier mes plus beaux pinceaux que les fidèles de Ranrok n'en ont rien à faire de mon art et en feront du petit bois. Sans mes chariots et mon gagne-pain, qui sait quand je pourrais peindre à nouveau? Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Ok. Vous êtes prêts? On y va, tralala. Après ce que Ranrok a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. Samouraï. Un campement. C'est sûrement ici. Ouais, c'est là. Vous êtes prêts? Attendez, il faut que je mette... Oh, est-ce qu'on y va à la bourrin? Parce que de toute façon, on sait qu'on va devoir se battre. Donc, autant y aller. Ok. À rester assis toute la journée. La plupart des gobelins de ma famille ont travaillé dans les mines. Allez, c'est parti. On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer. Action! Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attiré le mauvais. Incendio! Oh, on te donne. Bon, c'est pas grave. Allez. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Ah, faut pas venir vers moi. Combien êtes-vous? Un humain. Voilà. Il n'y a personne. Pourquoi n'as-tu pas fui? Tu tenais à mourir, c'est ça? Peut-être. Attendez, faut que j'esquive, c'est vrai, j'avais oublié. Devoir de professeur Hecate. Allez, les gars, allez, allez! Allez, attaquez-moi! Allez, allez, allez! Oh, j'attends! Mais alors. Je crois quand même pas pouvoir me vaincre! Voilà, et de 1. Allez, allez! Oh là là! Parfait! Et de 3, merci! Oui! On a fini, allez hop! Tu ne m'arrêteras pas! Levioso! Alors. Bon, il nous verra pas. Allez, on va libérer les chariots. Tadam! Ah, je crois que il nous a vu. Impressionnant cette enchantement. Mais on est de l'autre côté d'une barrière. Les chariots reviennent vers Arne. Comment il fait pour nous voir? Oh! Voilà. Bon, allez, on y va. Ta-da-da-da-da. C'est lequel, son chariot, vous pensez? Ah, mais non, hein, vas-y, hein. Voilà.
Je vois pas de peinture là-dessus. Oh. Ah mais attendez, si je me mets trop près, ça s'arrête. Faut pas que je me mette trop près. Oh, non, j'espère que... Attendez. Si vous êtes ici pour mes marchandises, je suis désolée, mais je n'ai toujours pas récupéré mes chariots. Et ils sont sur la route. Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire. J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Les fidèles de Ranrok n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Ceux que j'ai affrontés ne m'ont certainement pas facilité la tâche. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Oh, j'ai tellement pas envie de lui dire ça, mais je suis désolée, on va être méchant. Hein, parce qu'on veut voir les autres options. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si c'est digne d'un tableau. Vous n'avez pas idée de l'effet que l'art peut avoir sur les gens. Croyez-moi, c'en est digne. Merci encore pour tout. C'est bien, Arne, tu ne te laisses pas démonter. C'est bien. Qu'elle termine. Je vous souhaite le meilleur. Chariot disparu. Quand mes chariots arriveront, je serai ravie de vous montrer mes marchandises. Ok. Bon, et bien voilà. C'est bon, on lui a pas fait de peine, je suis contente. J'avais peur de lui faire de la peine. Et voilà, je vais arrêter là. Je vous remercie d'être venu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la quête. Je suis curieuse et impatiente de vous lire, impatiente de partager avec vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, la partager autour de vous. Ça m'aide beaucoup si vous le faites, donc merci infiniment. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis à bientôt. Bisous.